Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue dans notre 7e partie sur Uncharted 4. Et maintenant, nous allons continuer notre aventure et nous allons nous diriger dans le palais de justice qui se retrouve là-bas. C'est bon. Là, il faut juste que j'aille ici. On va faire un petit peu de parcours. Et voilà. On n'a pas vraiment fait de parcours là, mais c'est correct. Mais c'est pas vrai, ça va? Tu t'amuses bien? Oui, oui, il s'amuse bien. J'ai pas rien à faire dans ses enchères. Aïe, aïe, aïe. Ok, préparez-vous les amis, parce que ça va être la fin pour vous. Et calme-toi, calme-toi. Il y a un shotgun avec lui en plus. Il est fou dans la tête, hein. Joli coup. Voilà, headshot, merci beaucoup. What the hell? Are you? What? C'est qui la personne qui va tirer dessus? Oh, ok, tu viens de là-bas. Je t'avais pas vu tout à l'heure, mon ami. Oh, merde. Non. Ok, perfecto, on va changer d'arme. Là, tu se mets là. Ok, je l'ai touché, mais il est pas dead, c'est bon. On va courir comme ça, rouler, faire un peu de Rambo Commando, même s'il faut pas faire du Rambo Commando. C'est correct, on est là pour s'amuser, n'est-ce pas? Et la table, c'est pété, c'est pas bon ça. Attends, ils ont appelé des amis. Oh bah. On dit qu'on tire de cette pétonnière. Ouh, aïe, aïe, aïe. Non, attends, ils sont vraiment partout, hein. Attends, je suis vraiment dans la merde là, je suis vraiment dans la merde. Oh, 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 oh. C'est correct, je suis encore vivant, c'est tout ce qui compte. Headshot, sors ta tête. Non, ils veulent pas sortir leur tête, hein. Et j'avais même pas remarqué que je n'avais plus de munitions. Wow. Non, laisse-moi tranquille, méchant garçon. Où est-il? Ok, il est là. Wow, ils sont vraiment partout, hein, ils veulent pas nous laisser tranquille. C'est bon, on va recharger notre arme. Et oui, merci beaucoup. Là, je vais aller chercher le dernier mec qui se retrouve juste ici. Voilà, voilà. Bon. C'était génial comme section, n'est-ce pas? Où es-tu, frérot? Mais, voyons donc. C'est nice. Frérot, est-ce que tu veux sortir? Oh, il est déjà sorti, je l'avais même pas vu. Sully, on va pas tenir bien longtemps. Tiens, mon petit, je suis pas très loin. Voilà, je vais me diriger ici. Et merci beaucoup. J'en ai plus pour longtemps. Tu viens encore bien ou quoi? Dépêche-toi. Je croyais que mon frère l'avait eu. Oui, boss. Il me faut une autre arme, ça c'est vraiment mauvais. J'ai pas de handgun avec moi? Ok, ok, oui, j'ai un handgun avec moi. C'est parfait. Ok, ça c'est mieux pour tirer de loin. Attends, petit headshot. Voilà. Non. Oh, la chance. Tranquille. Non. Hey, frérot, tu veux te faire tirer dessus? Ah, là-bas. Je l'avais pas vu. Attends, petit headshot, non? Ok, fuck moi, il met headshot, n'est-ce pas? Bon, on va juste spammer les boutons, comme ça. Voilà. Quelqu'un demande une limousine? Allez, Nathan, on y va! Non, il faut tuer tout le monde! Ok, fuck that shit, yo, moi je m'en vais. Tromper le bouton, voilà. Ça? Mais mon frérot, il veut pas bouger ses fesses, hein? Okay, c'est bon. Faut vraiment que je prenne du repos parce que mes mains tremblent, ce qui fait que je shoote mal. Oh boy! Il faut que j'aille dormir parce que. Depuis. Accrochez-moi! Je n'ai quasiment pas pris de break depuis que j'ai joué la première partie d'Uncharted 4. J'ai joué. J'ai fait 3 vidéos d'Uncharted 4, j'ai dormi 1 heure. Là, j'ai fait la vidéo 4, 5, 6, 7, one shot. Mes mains tremblent. Il faudrait que j'aille dormir. Je n'ai dormi qu'une heure. En quoi? 26, bon. 27 heures? J'espère que j'irai pas en enfer. Chiotte. Quoi? Elle est vide. Quoi? Mais... C'est vraiment un enfoiré. C'est ton frère? Tiens donc, une tête de mort.
C'est bon signe. C'est l'emblème d'Avry. Qu'est-ce que c'est? Odie mecum eris in paradiso. Aujourd'hui, rejoins-moi au paradis. C'est ce que Jésus a dit à Saint Dismas sur la croix. Ouais. Mais... Et ces chiffres-là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une sorte de code? Ou un numéro de téléphone? C'est évident. Ce sont des dates. Hein? Oh, regarde. 1659. C'est l'année de naissance d'Avry. 1699? Laisse-moi deviner, l'année de sa mort? Oui, d'après la plupart des récits, mais... Ça veut dire qu'on a... l'année de sa naissance, l'année de sa mort, et le paradis. Il s'agirait donc de trouver... la tombe d'Avry. À la cathédrale Saint-Dismas. Attendez une minute. Je croyais que Rafe passait le secteur au peigne fin depuis des lustres. Oui, la cathédrale. Vous voyez ces symboles? Ouais. On en trouve sur les anciennes pierres tombales écossaises. Ok? Tenez, regardez. L'agencement des lieux est très inhabituel. Ouais. Là, c'est la cathédrale. Mais le cimetière, lui, est excentré. Rafe concentre ses recherches au mauvais endroit. Exactement. Les gars, en route vers l'Écosse. Ok, attendez. Vous vous rendez compte que Rafe sait que vous allez venir? Oui, mais on s'en occupera une fois sur place. Ce malade n'espère qu'une seule chose, c'est que vous vous pointiez là-bas. En plus, il a Nadine et toute son armée pour la protéger. Oui, mais il lui manque ce parchemin. Le plus grand trésor pirate de tous les temps est presque à portée de main. Je croyais qu'on faisait ça pour sauver Sam. Mais c'est le cas. Mais on peut faire d'une pierre deux coups. Il nous faut ce trésor pour pouvoir sauver Sam. Comment Elena peut être d'accord avec ça? Non, t'es pas sérieux, fiston. Écoute, c'est pas aussi simple que tu le crois. Mais après tout ce que vous avez vécu ensemble... Elle pourrait jamais comprendre. Tu ferais mieux de lui faire un peu plus confiance. Je peux pas lui en parler. Nathan, il a raison. Les choses ont changé et Rafe est impliqué. Je peux me débrouiller tout seul, je t'assure. Super. Sympa de vous liguer contre moi tous les deux. Excusez-moi. Allô? Je vais me faire chicaner! C'est moi. Non, on capte super bien. Vas-y, t'as quelque chose sur le cœur. Écoute, Sam. Je me rends compte que t'as dû en baver pendant toutes ces années en prison. Et je suis désolé de ce qui t'est arrivé, mais c'est pas sa faute. Je ne l'ai jamais blâmé. Tu te rends compte? T'imagines le temps qu'il lui a fallu pour raccrocher? Je ne l'oblige à rien, c'est son choix. En fait, il est même fait pour cette vie. Tu crois vraiment ça? Pourquoi t'es là, Victor? Ben, parce qu'il faut bien quelqu'un pour surveiller ses arrières. Non, on se voit dans quelques semaines. Oui. Promis. Okay. D'accord. Je t'aime aussi. Bye. Au revoir. Je viens de lui dire que la mission allait finalement durer plus de temps que prévu, ce qui est parfaitement vrai. Ok. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Sam aura besoin d'un coup de main. Eh ben... J'ai entendu dire que le climat est des plus... agréable en Écosse, à cette période de l'année. On dirait que Sam n'est pas content. Bon. On peut dire que Rafe a mis le paquet. Ils sont concentrés autour de la cathédrale. C'est une bonne chose. Ça nous laisse le champ libre du côté du cimetière. Sully. Ouais. Tout roule, on va pouvoir y aller. Ok, fiston. Bonne chasse. T'es sûr que tu veux pas venir? Ouais, mais à moins que tu me trouves un tapis roulant, je passe mon tour. Ok, alors à bientôt. Hey, Nate. Oui? Si tu peux... faire en sorte de me ramener un petit souvenir, ok? T'inquiète pas. Bon. Allons présenter nos respects au capitaine Avry. Ok, boss. On y va. Non. Bon, le chapitre 8, la tombe d'Henri Avry. C'est étrange pour enterrer un trésor. Ben, pas vraiment. À l'époque où Avry a navigué jusqu'ici, l'endroit était déjà abandonné. Possible.
En plus, avec l'énorme prime sur sa tête, ça lui faisait de bonnes planques. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Rafe? Je pouvais vraiment plus le saquer. Et je suis presque sûr que lui non plus. J'étais en train de digérer ta mort, et avec toute sa frustration de ne pas trouver le trésor, je suis à peu près sûr qu'il était prêt à me tuer au moment où je suis parti. Méchant, hein? Vraiment méchant. Bon, ok. Là, il faut sûrement utiliser le grappin, hein? Imagine ce qu'il serait prêt à te faire maintenant. Je préfère éviter. Sam, écoute. Il est impitoyable. Encore plus que quand on faisait équipe avec lui. J'ai entendu de ces trucs. Fais-moi confiance, toi aussi. J'ai plein de raisons qui me font croire que tout va bien se passer. J'espère que t'as raison. C'est un peu haut. Il faut qu'on trouve un autre moyen de descendre. Allez, on va aller là-bas. Moi je croyais que je devais attendre frérot et utiliser le grappin, là, mais... Ouh, si je saute ici, c'est la mort pour moi. On dirait qu'il faut qu'on se dirige en haut, comme ça. Non, je la sens tellement pas, celle-là. Est-ce qu'on tente le coup, quand même? Dépêche. Okay. Nice, on l'a eu. Et... Voilà. Bam. Ça devrait tenir. Oh, bien vu. Ouais, il y a une corde ici, comme par hasard, hein. Bon. Oh. Ok, en fait, c'était pas par hasard. Oubliez ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Du matériel d'excavation. Shoreline? Quoi? Regarde. Je croyais qu'il cherchait près de la cathédrale. Regardez! Merde! Bloque-toi! Oh! What? Attends, ils savent qu'on est là. Attends, un headshot! Merde! Ok, oubliez ça, pas vrai là, cette fois-ci j'arrête avec mes headshots. J'adore faire des headshots, mais... Voyons donc, ici là, c'est un petit peu dur lorsque mes mains sont en train de... trembler comme des fous. Ah, joli coup. Voilà. D'habitude, je peux faire des headshots assez facilement, mais... C'est bon. Ouais. Moi aussi, j'étais ravi de vous rencontrer. On dirait qu'il nous attendait. Et on dirait qu'il cherche à l'extérieur de la cathédrale. Ce qui veut dire qu'on doit aller au cimetière et en vitesse. Exactement. Waouh, vous avez vu, ils creusent comme des fous. J'arrive pas à croire que Rafe a acheté ce terrain juste pour tout creuser. Bon, c'est vrai qu'il y a 400 millions quelque part là, ici, là, mais quand même. Voyons donc. Tiens donc, quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que tu paries? Oui, de la dynamite. Hé, tu fais gaffe avec ça. Ah ben non, c'est correct là. Ok, maintenez R1 enfoncé, donnez-moi une seconde. Et là, hop. Ça y est, j'ai ouvert la porte. C'était légèrement bruyant. J'espère qu'ils nous ont pas entendus. Ça explose de partout, alors ça passera peut-être inaperçu. Regarde, on pourrait passer par le toit. Mais c'est beaucoup trop haut pour nous. Faut qu'on trouve un truc sur lequel grimper. Ouais. Moi qui croyais que je devais tout exploser, c'est bon. Est-ce qu'il pourrait m'aider un petit peu, là? Parce que ça, c'est lourd, là. Aide-moi! Voyons donc, ça le fainéant. Moi je m'en fous, je vais faire mon Rambo juste pour lui. Nice. Là on peut se cacher un tout petit peu. Ça c'est nice, voilà. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent se mesurer à nous? Personne? Ok, vous êtes tous dead, c'est génial. Bon, on peut d'accord. Continuer notre mission. Ça aurait pu mal tourner. Ouais. Allez, on se tire d'ici avant que quelqu'un s'en aperçoive. J'ai vu quelque chose d'intéressant. Merci beaucoup. J'avais vu plusieurs munitions à terre, mais je voulais pas les prendre parce que... Je sais pas. En fait, pourquoi je les ai pas pris? Et voilà, je crois que c'est correct. Allez, on y va. Yes. C'est bon. Donc, j'ai un handgun avec moi et j'ai un AK-47 avec moi. Perfecto. Y a rien ici, hein? Je pourrais faire ça toute la journée. Pas toujours vers le plus important. Bonjour, l'éthique. Tu vas voir, l'éthique. Je vais aller pisser pendant que tu fais la leçon au bleu. Il va pisser. Alors comment ça s'est fini? Il a maté la révolte? Grâce à notre aide, il a réussi à la contenir. Mais une fois que l'argent s'est mis à manquer, ensuite gauche, on n'avait plus raison de rester avec lui. Ça va faire un peu mieux que ça, les gars. Essayons de continuer comme ça. C'est bon. Chut.
Éliminer un ennemi dans les arbres. Oh, ok, ouais, ça je le sais très bien. Attention, mon ami, parce que tu vas recevoir une bombe dans la gueule. C'était amusant. Oh, je voulais juste faire ça pour le plaisir, là. Voilà. Yeah, on fait un petit box. Box match, là, mais on dirait que non. Hein. Wow, je suis en train de recharger. Et puis, il y a un shotgun. Non, ouais. Oh, la chance. Je vais prendre son shotgun. Donne-moi ça. Oh. Oh, c'est vraiment dommage. T'as eu ma cible. Voilà, on va faire ça. Bam! Magnifico! Bon, alors, est-ce que je change d'arme? Ouais, okay, on va changer d'arme. Parfait. Voilà. Okay, on va prendre des munitions et on va monter ici. Bon, ça, c'est bien amusé. On a fait du boum boum chikawawa. C'était super cool. On va se diriger ici. Je sais que j'ai manqué des munitions derrière là, mais ça ne fait rien. Oh, je savais pas qu'il y avait encore du monde. Il a réussi à s'enfuir. C'est vraiment dommage. Je crois que je peux l'avoir avec les balles que j'ai dans mon gun. Laissez faire. On va recharger. Je vais attendre un petit peu que pour que je me régénère. Hein. Allez, allez. Ok, je sais qu'il y a quelqu'un derrière moi, mais je crois que Sam m'a eu. Ouais, Sam l'a sûrement eu. Ouais. Ok. Tour. Allez, Sam, Sam, occupe-toi-en. Aïe, aïe, aïe. Ok, je vais le faire. Voilà. C'est good. Okay, c'est parfait. Ça fout les boules. J'étais obligé que quelqu'un entende tout ça. Allez, restons pas là. Voyons donc. Bon, je peux pas aller en bas, donc il faut que je me dirige ici. Ouf. Aïe, aïe, aïe. Moi, je ferais jamais ça dans la vraie vie. No way. Même pour 100 millions de dollars, je le ferais pas. Ça, c'est sûr. Parce que je vais tomber, je vais mourir. Alors, à quoi ça va servir le 100 millions, n'est-ce pas? En plus, c'est même pas sûr que je vais recevoir le 100 millions. Bon, okay, on va descendre. Moi qui croyais que je devais monter un petit peu plus haut. Bon, ça a pris du temps pour venir. Allez, on y va. Moi, je vais pas l'abandonner derrière. Non, 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 non. Oh, attends, attends. Tranquille, tranquille. Et hop. Et voilà. Bon, là, on peut monter. À droite, comme ça. Y'a pas d'ennemi, hein. Non, y'a pas d'ennemi. Okay, j'avais vu là, quelque chose. Juste derrière ces murs. Ok, c'est cool. Mais est-ce que je peux aller là? Peut-être qu'il faut même que j'aille là, hein? Ben, on dirait bien que oui, parce que de là, il n'y a rien du tout. Bon, on va glisser un petit peu. Pas comme ça. On va glisser un petit peu. Et on descend. Quoi, tous de riche? Doucement, frangin. J'ai failli me faire arracher les bras, tout ça pour me faire engueuler par ce petit connard. J'aurais dû le buter. Ce gars est à la tête de tout notre groupe. Vous savez quoi, on va tenter quelque chose. On va rouler vite, vite. Moi, je me contentais de suivre ses ordres. Et alors, qu'est-ce que tu crois qu'elle fait? Rien. Il y a un ennemi. Elle m'aurait désingué. Exactement. Et voilà. Hey, hey, on Man, il est résistant, oui. Ok, je crois que j'ai compris. Faut que je fasse quelque chose comme ça. Et là? Hop. Ok, c'est nice. Mais ça doit vraiment brûler les fesses, hein, quand je fais ça. Ok, bon, bon, faut faire attention, là. Oh, merde. S'il l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Allez, frérot, t'as besoin de mon aide? C'est encore mieux que le saut à l'élastique. Parce que t'en as déjà fait, du saut à l'élastique? Non, mais c'est évident que c'est mieux. T'es sûr de toi? Ça me tente pas de trop. Non, 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 ça me tente pas de faire le saut parce que je sens que c'est pas le bon endroit. Faut que j'aille là, hein? Ouais, ok, c'est bon. Ok, je crois que j'ai totalement foiré mon coup. Faut pas que j'aille là. Faut que j'aille ici comme ça. Et ensuite. Bon, là-bas. Ok. Voilà. Alors, c'est à ça que tu t'amuses depuis toutes ces années, hein? Faire le sage sur des ruines? Ouais, ça et puis me faire canarder. Exploser. Ouais. Frapper. Tabasser. Ok, ça va, j'ai compris. Poignarder. Droguer. Le lick son grand complet. Ok, là il faut aller là. Faut toujours glisser comme des fous, hein. Oh, ça c'est nice. Bon, 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 bon. Ah, là-bas, c'est parfait. Oh. Come on. C'est good. On va aller ici direct.
Ouais, c'est parfait. Pas trop de soucis. Et voilà le travail. Pas vraiment. Faut encore grimper plus haut pour traverser le ravin. Ce serait bien qu'on arrête un peu les glissades. C'est des graviers plein de slip. Oh, waouh, il faut toujours glisser encore et encore, hein? Je crois pas qu'il faut que j'utilise ceci. Laissez faire, il faut que j'utilise ceci. Nice. Voilà. J'espère que mon frérot pourra me suivre. Oh man. Mais regardez le paysage. Oh, c'est tellement beau, oui. Et c'est de l'art. C'est vraiment de l'art. Mais bon, on va se laisser ici et on va continuer ça la prochaine fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais éditer toutes ces vidéos et ensuite je vais dormir parce que là, je suis vraiment fatigué. Faut que j'aille dormir. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de passer une bonne journée et on se voit la prochaine fois. Bye bye!